Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 et la campagne de Saladin. Aujourd'hui, nous attaquons à la cinquième mission qui s'intitule Jihad. Étant donné qu'elle est plutôt longue, on va commencer tout de suite la mission et je vais vous laisser avec la présentation de celle-ci. Tibériade, 20 ans et demi de fusion de sang. Nous sommes loin de l'océan et les Saracens interprètent l'odeur de sel et le bruit des oiseaux de mer comme des signes des cieux. Je suis assis près de la tente de Saladin, observant le massacre en dessous. Les archers montés sarrasins chassent en masse désordonnée des soldats européens. Les grandes nations de croisés ont été réduites à de misérables cités. Seuls Tibériade, Tyr et Ascalon sont encore entre les mains des croisés. Néanmoins, ces trois villes sont bien fortifiées et peuvent résister à n'importe quel siège. Saladin a remporté beaucoup de victoires dans le désert, mais les châteaux des croisés sont sans comparaison. S'il remporte la victoire maintenant, la Terre Sainte appartiendra à nouveau aux Saracens. Une défaite risquerait d'entraîner encore des décennies de carnage. Allez. Et la mission que j'aime le moins. La troisième qui est moins bien, mais celle-ci en difficile a quelques petites choses frustrantes parfois. Donc battez deux des trois villes, à savoir qu'Ascalon a une armée initiale mais n'a aucune économie en fait. Il va pas en faire économie. Tyr est une unité uniquement maritime, fera énormément de navires et quelques unités, quelques débarquements pour raser la ville. Le problème c'est que dans un navire avec un canon, donc pour raser une ville c'est très pratique. Et Tibériade, c'est des Perses, qui va être assez facile. Ah bah, on peut converser tant qu'elle vit, avec Ebécron, et il n'y a besoin de croiser que deux villes. Donc, premier réflexe, ça. Donc, le tout premier réflexe qu'il faut avoir dans cette mission, c'est de partir comme ça. Et les nouveaux bateaux de pêche iront m'explorer un peu la map. Donc on peut faire du commerce en début de partie, ce qui n'est pas rentable. Je crois que ça rapporte pas beaucoup en soi. Ah si, 24. Donc il va explorer un peu. A savoir qu'il y a énormément de poissons, donc en début de partie c'est de pousser haute économie avec le poisson. Ça vous dépannera beaucoup. Ouais. Alors, mes villageois, faut que j'en ai plein. Si possible, le plus vite possible, ça m'arrangerait. Faut aussi que j'ai plus de villageois que ça. Donc, il y a deux moyens de gagner cette partie. Soit vous construisez une merveille. Enfin, sauf vous faites la condition de victoire merveilleuse. Vous avez une merveille, vous détenez toutes les reliques. Deuxième solution. Bon, soit vous, pour construire une merveille, ça vous prend de ressources, prenez toutes les reliques. Voilà. On vient de voir que les Francs ont beaucoup de troupes là, à la garde de Tripoli, qui nous enverront un tout petit peu plus tard. Moi, faut que je regarde mon compteur, c'est quand on sera 10 minutes de partie qu'ils vont envoyer les troupes. Je suis quand même à peu près le timer. Donc, beaucoup de pierres, il faut en début de partie. La nourriture, bon, avec 10 petits navires de pêche, ça devrait suffire pendant un petit coup. De toute façon, à un moment, on sera obligé de faire des fermes parce que la flotte ennemie sera trop imposante pour qu'on puisse affronter. Et comme on ne peut pas faire ces navires-là, on ne peut pas avoir un suprématie naval. Voilà, c'est. Enfin, notamment un suprématie naval, normalement, on l'obtient avec ces navires-là, mais comme on ne peut pas les construire, ce critère.
Terra n'est pas possible. Donc faire appel à d'autres navires. Le problème c'est que faire des galères face à des galions. Voilà. Donc le poisson, en début de partie, c'est très intéressant de faire beaucoup de navires de... Enfin... De faire un bon petit nombre de navires de pêche. Pour pouvoir efficacement affronter nos adversaires. 10 chameaux en début de partie devraient suffire pour détruire... Vous avez pensé à un truc, on va faire quelque chose. Alors, 10 chameaux devraient nous permettre de repousser la garde de Tripoli et les troupes qui arriveront avec, parce que bien évidemment Tiberia et Cyr en seront un assaut au même moment. Ils trouvent pas mieux, hein, de toute façon, que ce coordonné pour nous attaquer. Donc je préfère vous prévenir tout de suite de ne pas être surpris par assaut ennemi qu'on risque de se taper. Donc garde de Tripoli, il y a... Je fais des chameaux. Je pourrais me permettre de faire que des chevaliers, mais les chameaux ont un bonus d'attaque contre la cavalerie qui ne sera utile par la suite. Même si les chevaliers, il y en aura 4 dans l'assaut initial. N'empêche que prévoir la suite, c'est pas plus mal. Hein. Toi, t'es bientôt au lieu aujourd'hui. Donc là, on va en faire 8. Ah. Alors, j'ai déjà filmé cet épisode-là, mais j'ai oublié de mettre le son. J'avais coupé le son du jeu. Donc pour, enfin, coupé le son des jeux d'enregistrement, donc vous n'entendez rien du son du jeu, donc c'était dommage pendant une heure. Et il faut savoir qu'on m'a rasé totalement la ville-là. Ma ville a été rasée. Ah oui. Ils se montraient très méchants. Donc j'anticipe de nouveau cela. Parce que je sens que la vie, je pourrais pas conserver. Donc j'ai tout de suite établi un avant-poste là-haut. Cependant, faire le forum après que j'ai construit mon château de défense. Non pas avant. Parfait, Huster. Encore une fois, c'est un détail qui a son importance. Et là, le but, c'est de faire de l'armée. Au niveau bois, je suis plutôt bon. Niveau navire, ben... On va voir ce qu'on peut faire. Parce que plus longtemps je suis à ma ville, mieux c'est, bien évidemment. Le problème, c'est qu'à un moment, ils vont me submerger tellement que... Ça sera pas possible de tenir. Normalement, on fout le château à l'intérieur, mais j'ai envie de le mettre à l'extérieur. Normalement, il faut foutre d'angle. Ici, il faut mettre le château. Notamment quand on va devoir se protéger de Tiberia. Mais je décide de foutre ici pour pouvoir continuer à exploiter mes ressources quand il y aura l'assaut de la garde de Tripoli. Non, comme vous voyez, il y a énormément de pierres. Donc, ne vous... Donc, n'ayez pas peur de... On va améliorer ça. Par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en aura déjà 10. Il y en aura 3. Bah. Là, ça c'est normal. Cette recherche a été faite, je crois, oui. Donc faire des mamelots. Et vous voyez pile coordonnées avec la finition de mon château.
Je sais pas exactement quand ils attaquent. Ils attaquent peut-être bien au premier château. Bien, alors là on prouve un truc dans ce jeu. C'est quand on prend une disposition pour empêcher, parce que normalement il passe ici. Hein. Vous avez vu, j'ai pris une disposition. Donc ici, ce qui est parfait, c'est que je peux construire mon forum pour la suite. Donc j'ai perdu quoi, 5 villageois. Ouais. Bon, c'est une perte acceptable, sincèrement. Donc ici, Ours Villageois, quand Ascalon est autour d'un merveille, il peut pas en sortir vu qu'il y a une muraille qui protège ses troupes. Bah, ses villageois. Ce qui pour nous va nous donner le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Donc l'ennemi pour l'instant tire, n'a que des galères, donc ça nous arrange. Porte médicinale pour vite guérir mes troupes, bien évidemment. Ça, je prends plus l'efficacité de ces technologies. Donc l'or va très vite. L'avantage, c'est qu'ici, étant donné que je pourrais même monter à 10, je suis en train de me dire. Bon. Pas important. Nous, on va récupérer cette pierre-là. Une fois que cette pierre-là est récupérée, on ira chercher le gisement là-haut. Il a toujours lancé aucun assaut. Voilà, l'assaut. Ouais, donc en fait, vu que j'ai construit plus tôt mon château, ils m'ont attaqué plus tôt. Ce qui en soit très intéressant. Voilà. On n'a pas de bonus contre les chameaux, vu que c'est pas des. Et là, par contre, il attrape pas ton trou d'armure, c'est ça. Ouais. À moins qu'il n'y ait pas de bonus contre les catafrates. J'ai pas l'impression d'avoir de bonus contre les catafrates. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonus, ce qui est déstabilisant, je vais pas vous mentir. Que je suis de la cavalerie, Catafrat. Cavalerie protection lourde. Il y avait 8. Il y avait 4 d'armure. Pas logique.
Donc, bon, grave. On va récupérer toute cette pierre qu'on peut récupérer. On va faire quelques scouting avec nos bateaux de pêche. Oh, je préfère utiliser mes navires de pêche que ma flotte de guerre. Eh, mais ils évitent totalement ma forteresse. Ce qui est... On va pas s'en plaindre. Donc là, on va commencer à prévoir beaucoup de villageois parce qu'on va commencer à ouvrir nos fermes. Il y a énormément de poissons. Le problème, c'est qu'on arrive bientôt à épuisement. Non! Comme par hasard. Voilà. J'adore ce jeu. Alors tir a encore changé son point d'action par rapport à ma dernière vie, par rapport au moment où j'ai filmé. Tir s'acharnait sur ma vie, maintenant il s'acharne sur mon petit camp là-haut. Faire d'autres maps nook, se préparer au pire, hein, parce que... Je vais pas vous mentir, ces deux assauts ont fait beaucoup de dégâts. Le problème, c'est pas qu'il ait attaqué la base là, c'est que Vernico m'a attaqué cette base là, mais donc... dans un temps monstre, quoi. Même pas quand j'avais filmé le premier coup, Tyr m'avait totalement démoli cette base là, elle existait plus. Par contre, la base là-haut, moi j'avais survécu parce que j'ai transféré tout en haut en fait. Là, c'est l'inverse. D'un côté, c'est intéressant. Au moins, l'IA est beaucoup plus imprévisible et ça demande plus d'adaptation que. Que ce qui serait normalement nécessaire, ce qui est pas plus mal. Voilà. Je
presque tout pris. Bah bon. Récolter plein de pierres. On va se faire un petit château. Comme ça tout le monde sera content. Bah le problème c'est qu'ils vont envoyer plein de navires de guerre. Ce qui me sauve un peu, c'est que là j'ai, malgré tous ces navires de guerre, c'est que ma seconde base opérationnelle, donc le transfert notamment pour ressources au niveau de la bouffe, bah, il n'y en aura pas, vu que j'ai déjà tous mes villageois qui sont disponibles et qui vont récolter plus que ça. Ça sera plutôt la pierre qui va manquer incessamment sous peu, mais c'est pas trop grave. Voilà, parfait. Niveau bouffe, ça avance. Quelques navires. C'est ça le souci, c'est que ces navires-là, ils sont tellement. J'ai pas envie de dire pas à niveau, mais c'est plus ou moins ça par rapport à des galions. Survécu à leur assaut massif, là. Enfin un de leurs premiers assauts, ce qui est agréable. Donc, ça veut dire que ma pêche va être encore efficient encore pendant un petit moment. Voilà. Oui, bon. Et bah pour une fois, malgré toutes les difficultés qu'on a eu au début, on va peut-être pouvoir tenir en fait à ces endroits-là, ce qui est. Ce qui m'arrange beaucoup, je dois dire. Alors, ça peut peut-être surprendre, ça m'arrange parce que je vais pouvoir continuer à abuser de ma pêche. Ce qui était quand même plus ou moins le but. Parce que plus longtemps j'ai ma pêche, plus longtemps ça me fait des ressources, notamment nourriture additionnelle. Qui sont quand même très profitables, ça on va pas se mentir, ni se leurrer. Par contre, le bois à cet endroit, pour moi, n'est pas sûr. Bah pourquoi tout regarder une petite garnison ici. Ça
Et du mouvement. Faut vite qu'il rentre dedans. Voilà. Ah, ça fait un douzième cavalier en... Donc ici on va faire allez, alors, on va commencer à construire nos fermes. Bon, bah, pis, mais j'ai ma mise, j'aurais dû décaler un cran en dessous, c'est pas grave. Non, j'aurais eu le souci avec la ferme du haut, c'est pas grave. J'ai mal positionné. Bon. Alors, on développe quelques-uns de plus. On fait cette recherche cas d'élevage pour que nos mammouths aillent encore plus vite. Quant à eux, ils vont commencer à me développer ma défense. Ici, on va tracer le premier mur. On va commencer à construire ça là. Où en est le château? Ok. Bon, on a le temps. Ici, on va pouvoir faire cette recherche là, les hauts fourneaux. Pour encore booster leur attaque. De toute façon, là, le but, c'est pas de... Putain, on gagne plus d'or, d'ailleurs. J'ai vidé très vite mon or. Attendez, juste, je vais prendre quelques secondes pour me mettre hors ligne. Voilà. Donc, il y aura une coupure quelque part par ici, hein, je sais pas encore exactement quand. Mais on arrive à peu près au timer là de... Voilà, là par contre, là je vais perdre la maîtrise des flots à mon avis. Mais c'est pas grave, j'ai mis en place mon économie de rechange. Ouais, j'ai tout perdu. Hein. Donc ma pêche... Ça va être fini pour la pêche. Là, heureusement, j'ai déjà quasiment tout transféré sur la terre ferme, donc les pertes ne seront pas dramatiques. Il y aura un peu de pertes de toute façon, mais en soi, ça me débloque de la pause en population en plus. Ce qui est, on va se dire, pas mal du tout. Hein. Donc là, il nous faudra plusieurs recherches, mais. Regarde ici, on a un petit problème en bois, on a souvent un déficit en bois. Et en or d'ailleurs.
Donc ce sera deux recherches qu'il faudra qu'on se dépêchera de faire un peu après. Et là par contre, bon, ils vont me raser entièrement cette ville, gars. Y a pas à chercher. En fait, si à ce moment-là vous aviez plein de galères et qu'une fois vous êtes passé à la dernière époque, vous les transformez en galions, vous pourriez tenir. Mais déjà, c'est pas le choix que j'ai fait là. Donc j'aurais pas tenu. Et surtout, le problème, c'est que ça bouffe une part en ressources énorme. Surtout en bois, 90 de bois, un galion. Enfin, une galère, un galion, tout ce que vous voulez. Un navire comme ça qui tire à distance, 90, et là, par contre, ça pose problème. 90 de bois comme ça, ça... Quoique les... 75... Ouais, voilà, ça coûte plus d'or mais moins de bois. C'est pour ça que c'est plus rentable de faire un navire d'incendie. Vous allez me dire c'est que 15 de différence, mais 15, j'ai dû faire à peu près 20 navires de en tout. Ben, ça fait quand même une bonne petite différence. Ah bon, après c'est un choix personnel. À vous de voir et d'aviser. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que vous vivez assez vite tout l'or qu'il y avait ici. Ben, cette base-là me sert, j'ai envie de dire, à rien. Parce que tout est déjà extérieur. Mon bois est là. Non, vraiment, à ce moment-là de la partie, c'est pas grave que vous perdiez votre base. Et qui sait, peut-être avec un peu de chance, ils vont me laisser cette base en haut, tranquille. Je peux toujours espérer, mais ça m'étonnerait. Hein. Ce qui me ferait bien... bien souffler, en tout cas, si ils arrêteraient d'attaquer. Là, ici, je peux pas faire plus de fermes.